Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau récap sur AstroTerre. Alors, lors de cette petite vidéo, je vais vous montrer les avancées sur la fiche de personnage. La voici, la voilà. Donc, je résume deux streams pendant lesquels on a bossé sur les barres qui sont ici et les effets actifs qui sont en bas. Alors, au niveau des barres, je remercie Mimiche qui m'a aidé pour le design. C'est beaucoup plus joli qu'avant avec cet effet pointu sur le côté. D'ailleurs, en plus, quand on change de personnage, on peut voir ce que ça donne. Par exemple, là, on a une barre quasiment vide, on a 0 points d'XP. Donc, il y a juste un tout petit peu de pixels ici, mais je trouve que c'est, même s'il y a 0 XP, c'est bien d'avoir ces quelques pixels. Et puis voilà, avec d'autres personnages, vous voyez que la barre n'a pas tout à fait la même longueur. Cette barre sera fixe quoi qu'il arrive, puisqu'il y a 20 petites parties et l'ensemble de la barre correspond à 100%. Par contre, pour les cœurs, pour les points d'action qui sont en forme de portail, pour l'instant, là on le voit pas tellement. Si on le voit un peu avec les points d'action, on le voit un peu, voilà, avec les points d'action, mais les cœurs c'est le même principe. C'est-à-dire que plus on a de points de vie, plus il y a de cœurs, donc plus ça s'allonge en fait. Quand on laisse la souris sur les différentes barres, on obtient les informations. Points d'action 10 sur 10, points de vie 10 sur 10 et points d'expérience. Bah là j'ai mis des chiffres bidons, 600 sur 1000. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore créé tout ce qui permettra justement de passer les niveaux et de voir vraiment combien il nous faut d'XP. Mais la fiche personnage, elle est prête à l'afficher, c'est-à-dire que dès que je travaillerai là-dessus, ça sera répercuté automatiquement dans la fiche perso, elle est là pour ça. Voilà pour ces petites barres, et puis pour les effets actifs, ça c'est le travail du dernier stream, eh bien en fait, il a fallu que je crée un grand dictionnaire avec les 16 effets possibles qu'on a recensés. Donc il y a être la cécité, être aveuglé, il y a la paralysie, l'étourdissement, il y a les dommages physiques sur la durée, il y a les dégâts magiques sur la durée, il y a le renforcement de la défense, le renforcement des points d'action, bref. Il y a 16 effets différents qui correspondent à tous les sorts ou toutes les potions que l'on a créées, qui correspondent aussi à peut-être des bonus qu'on mettra peut-être sur les équipements à voir. Mais bref, ce dictionnaire, il est propre à chaque entité, donc chaque personnage que le joueur contrôle va, et même le PNJ, mais bon, ça ne s'affichera pas, mais en tout cas, chaque personnage que le joueur contrôle aura ce dictionnaire, et avec, pour chaque effet, s'il est actif ou non sur ce personnage, et s'il est actif, eh bien on aura des informations telles que la durée, l'intensité, et puis le sort à l'origine de cet effet. Par exemple, si on est dans une zone qui a été recouverte par un sort, eh bien ça nous l'affichera. Donc là, pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, il se passe rien si je mets ma souris dessus, mais on va coder une pop-up un peu différente. Ce sera pas une pop-up comme celle-ci par exemple, hein. Ce sera une pop-up un peu différente, mais qui affichera toutes les informations que je viens de vous dire, hein, la durée, l'effet, etc. Du coup, là, ce soir, ce qu'on a codé, c'est tout simplement le fait qu'on peut avoir plusieurs effets actifs. Donc, plus on en a, plus ça va stacker d'icônes ici. Donc, j'ai créé tout le processus de création de ces petites scènes qui se stackent les unes à côté des autres, exactement comme ici. Et puis, on a codé le fait d'avoir la bonne icône en fonction de l'effet. Et du coup, il a fallu créer ces icônes à partir de zéro, ce qui est pas évident, ce qui est vraiment difficile. Donc là, on a l'icône pour l'aveuglement, la cécité, l'icône de régène et l'icône des points d'action supplémentaires. C'est pour ça qu'on a repris l'icône de portail qui correspond au nouveau point d'action. L'idée aussi, c'est que c'est codé. Le fond devient rouge quand c'est un effet négatif et vert quand c'est un effet positif. Donc voilà, comme je disais, il reste les pop-up pour vraiment avoir le détail de ces effets. Mimi, je proposais aussi qu'on rajoute un petit nombre, ouais, peut-être en dessous en fait, hein, qui serait la durée, puisque je pense que la plupart de ces effets-là s'afficheront essentiellement en combat. C'est vraiment en combat qu'on aura besoin de contrôler ces effets-là. Je pense qu'en mode exploration, les effets, il n'y en aura pas en fait, on verra. Voilà, donc en tout cas, cette fiche de personnage, elle est quasiment terminée, mais il nous reste encore voilà, des petites choses à faire, du petit détail sur les effets, aussi sur ici, là, rajouter des informations sur... alors là, c'est 0000, mais
si c'était des nombres plus grands, ça s'afficherait réellement. Mais rajouter des couleurs aussi, vert ou rouge, en fonction des altérations d'état. Voilà. Par exemple, si on a un effet actif qui diminue la défense physique, et bien en fait, là ici, il faudrait que ça s'affiche en rouge pour tenir compte de cet effet. Si au contraire, on a quelque chose qui augmente nos défenses magiques, il faudrait que ça s'affiche en vert. Donc ça, c'est pas encore codé. Voilà, donc j'espère que ce récap vous a plu. On continuera à bosser, comme je le disais, sur la fiche de perso, mais ça avance vraiment bien. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé la vidéo, et à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.